Salut à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un pack opening sur Rocket League. Alors, j'ai pas grand chose, j'ai vraiment pas grand chose, mais je voulais faire un pack opening, entre guillemets pack opening, parce que j'ai ouvert des boîtes et tout ça. Hein. Je voulais en faire un petit pour mon premier, peut-être que plus tard je pourrais avoir plus d'objets. Parce que comme vous savez, avec la saison des boîtes, bon, on peut pas se les échanger, du coup j'ai pas pu prendre les boîtes de certaines personnes quoi. Mais quoi qu'il en soit, on va partir avec quelques boîtes. Ah oui, et au passage, désolé pour la casquette, mais bon, confinement oblige. Donc, on aura les caisses et on aura aussi des points de tournoi. Alors, les points de tournoi, on fera ça en deuxième. Je sais plus, je suis perdu. C'est où? Les points de tournoi, on fera peut-être ça en deuxième. Parce qu'en fait, je sais pas si faut mieux prendre les premières coupes, les deuxièmes ou les dernières, en fait. C'est volé. Il y a pas moyen qu'enculé sa mère. Ou un enculage sa mère, un enculage. Ah oui, sachez aussi, alors je vais pas avoir beaucoup d'objets échangeables, mais le peu que j'aurai, si j'ai des bons trucs, je vous les fais gagner. Donc si vous voulez gagner un objet que j'aurais chopé dans une des 5 citrouilles dorées, donc je sais pas encore ce que je vais avoir, sauf c'est de la merde, mais bon. Vous avez juste à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo et à mettre en commentaire. Bah moi je veux les dracos blanches, hein, j'espère, peut-être. Et surtout allez voir, même si ça t'intéresse pas, skipper la vidéo. Parce qu'à tant que taille, où j'ouvre les citrouilles dorées. Premier butin, c'est parti. Alors on peut pas obtenir d'importer tout ça, ça va jusqu'à très rare. On ouvre, hein, on verra bien. Un très rare, pourquoi pas. Éclair, alors ça c'est bon pour le trade-up forcément. Mais bon, le truc, c'est que vu que c'est non échangeable, c'est chiant pour trade-up parce que forcément, t'auras un trade-up non échangeable, donc voilà. Oh là, on va s'attendre à rien. Bah, je crois que je peux pas les échanger, les objets, là, si j'ai pas de conneries. Hein. Vu que les boîtes, elles sont non échangeables, je vois pas pourquoi je pourrais échanger les objets. Non mais comment c'est possible de donner un objet alors que tu l'as de base quand t'arrives dans le jeu en fait. Bon ça c'est pas mal parce que y a un certain style d'objet, moi je suis pas trop fan mais bon. Pourquoi pas dans certaines compos de voitures. Enfin je préfère ça que les bannières. Ah du très rare peut-être. En fait, ils nous les donnent, ils nous donnent des trucs et après ils nous les redonnent dans les boîtes, ça je comprends pas. Ouais, dans les importés, j'ai gagné une octane de base. En plus, ils mettent la pression genre rouge, rouge, jaune. Non, 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 non. Il y en a combien là? Non, il y en a plus. Il n'y a rien. Ça part sur les très rares. Alors, très rare, on peut gagner ce qu'a rapporté. J'en ai 17. Moi ce que je veux voilà c'est du rapporté hein. Ouais, je m'en fous un peu. Je m'en fous aussi. Franchement le jeu. Ouais si j'allais me plaindre mais ça fait 4 ans que je joue. Si j'ai déjà eu 3 mystéries je crois. Et en trade up j'ai eu des dracos roses. Et bon il y en a qui ont des octaves blanches. C'est ça le problème. Ça c'est pareil. Ils nous les donnent de base dans le jeu. Je comprends pas comment on peut l'avoir encore. Ok. Ok. Mais bon, je vais pas me répéter à chaque fois, mais bon, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est quoi? Maraudeur, ça peut être que les roues. D'accord. Ok. Allez, un peu d'apporter là. Un peu d'apporter. Ça pue ça, ça pue, ça pue. Je n'ai plus que 10. Ou encore 10. Allez.
J'ai l'impression que je suis encore dans les boîtes de ta... Mais arrêtez avec vos maraudeurs là. Je comprends pourquoi il me le donne, c'est tellement beau. Allez, 7. Wow, incroyable. Allez! Oh lol, hey, j'ai eu quoi? Un à portée, hein? La première caisse. Putain, il me reste 5 boîtes. Ça me stressait comme si ma vie en dépendait. Mais arrêtez! C'est pas mon bureau pour qu'il se prenne une claque là bientôt. Ça c'est pareil, c'est bien pour le trade-up. Moi et la dernière boîte, j'ai eu qu'un seul à porter en 17 boîtes. Hein. Un seul à porter en 17 boîtes, mais hey. En plus, tout à l'heure, j'allais dire, tu vas voir qu'ils vont me donner les putains de roues Rick et Morty. Bah ouais, ils me les ont donné. Bon, les caisses très rares qui peuvent aller du coup jusqu'à exotique, normalement. Ah, la portée, bah oui. Pourquoi pas. Très rare. 5 boîtes, j'en avais 8 du coup. Ah, oh, mais c'est pas. Bon, ça c'est pareil, c'est bien. Après, je sais même pas si on peut trade up en vrai. Ce que j'ai dans. Ce que j'ai dans les boîtes. Après, ce qui est sûr, c'est si je peux. Si je peux le trade up, je pourrais pas. Ça sera non échangeable. Même mon trade up. Allez, 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 allez. Mais arrête là. Wesh, la portée, il est où là? Ok. Un seul à portée en 7 boîtes alors que j'aurais pu avoir des exotiques. Arrêtez avec ça. Eh, mais ça, c'est de la grosse douille par contre. Je vais vous montrer. Non. Bon, me baisse pas la gueule comme ça. Non. Vous m'ont donné les mêmes en exotique en trade up la dernière fois. Je vous jure, je crois que c'est le premier trade-up exotique que j'ai fait dans le jeu. Je prends, c'est quoi, 5 à portée. Je fais un trade-up pour avoir un truc exotique du coup. Tout content. Il me donne ça. Et là, il me le redonne en très rare. Allez, on va passer au point de tournoi direct. On va ouvrir 2 ou 3 boîtes comme ça. Allez, c'est parti. Ah, ok, il n'y a même pas de... D'accord, ok. Ok. Ouais. On va très rapidement passer sur la coupe All-Star, je pense, et on finira avec les challengers peut-être. Oh mais non, putain, en terre de sienne, les bâtards. Après on ira voir parce que on sait jamais hein. Ok. Ok. Ils peuvent pas me donner un autre truc que par. Eh mais c'est trop de merde là. Bon bah j'ouvre encore une boîte comme ça, une coupe challenger. Hein. Oh ils m'ont donné un mystery, pas en gris. On ira voir, ça c'est l'explosion de but je crois. C'est l'explosion de but. Bah putain. Oh. On verra, mais je crois que c'est de la merde. Et pour finir, une coupe challenger. C'est magnifique. Bah avant de passer au popkin, on va aller voir un coup ce que j'ai gagné. Hein. Pourquoi terre de sienne? C'est la couleur personne veut. Je les préfère en basque en terre de sienne. J'ai même plus son nom là. Ah, je les ai en inversé. Non. Jusque. Ah, tu peux pas montrer la. Je vais pas dans le bon truc. En fait, ces roues-là, je ferais tellement les avoir, mais genre en une couleur noire ou blanche. Bon, quoi qu'il en soit, on va finir avec... Oulala, la musique, elle s'énerve, wesh.
On va finir avec les pumpkins, hein. Donc ce que vous pourrez, ce que je vais pouvoir vous faire gagner. Les pumpkins, alors les pumpkins, on peut avoir du rare jusqu'à exotique. Alors si j'ai la même chose que dans les butins, dans les caisses de merde là, bah on va pas avoir grand-chose, hein. Allez, la première. Ok, ça commence avec de la merde. Bah les gars, si vous voulez gagner la Takumi bombe adhésive, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Non mais j'hallucine tout. Non bah allez, deuxième. On part mal. On continue mal, mais c'est pour mieux finir, tu vois. C'est pour mieux finir. Allez, on s'attarde pas. Ah, apportez. Mais non. Mais non. Après, pour vous, c'est toujours un truc de gagner, donc si vous voulez ça, peut-être, si vous voulez, hein, vous prenez ce que vous voulez. Donc, étoile de ninja. Donc, en fait, ah ouais, c'est des espèces de shuriken qui partent, ok, mais elles partent tellement vite que... Pas en bleu, bon, ça fait un style, hein, mais bon. Après, c'est vous qui voyez. Bon, la deuxième... Oh, mais c'est dingue. Bah allez, au moins j'aurais gagné un truc en blanc titane. Les gars, faites pas des citrouilles dorées. 5 citrouilles dorées, j'ai eu 4 butins rares dessus. Bon bah si vous voulez gagner des étoiles de ninja, bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous, likez et mettez-moi un petit commentaire. Franchement, vous savez quoi? J'ai tellement le seum de vous faire gagner de la merde que j'ai envie de vous faire gagner un autre truc, la vie de ma mère. Franchement, se payer une vidéo de 10-12 minutes là, tout ça pour au final avoir une étoile de ninja, moi je serais de vous, c'est pas rentable. Vous savez quoi les gars, regardez ce qu'il y a là, regardez ce qu'il y a dans les roues. Je vais vous faire défiler, vous regardez ce qu'il y a dans les roues, vous me dites ce que vous voulez gagner et je vous donne. Parce que franchement, à part les fesses noires, je vous donne ce que vous voulez les gars. En gros. Seul truc que je peux vous proposer les gars, peut-être la prochaine fois si je gagnerai rien de bien sur le prochain pack opening, si je gagne rien de bien non plus, je vous ferai gagner, je sais pas moi, une peinture ou des boosts, non des boosts on s'en fout, peut-être des peintures, on verra. Et pour l'instant je vous fais gagner une roue ou l'étoile de ninja si vous voulez, le boost que j'ai eu dans les pumpkins là. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour gagner l'objet que vous voulez. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi un petit peu. En tout cas c'est fini pour ma part, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et d'ici là prenez soin de vous.